Et en fait, on doit donc on se retrouve comme vous avez pu voir épisode 1 sur F1 2017. Donc on est dans les stands, on va chauffer l'entraînement, faire chauffer l'entraînement et puis faire un tour sur la piste. Allez. On va faire un autre petit tour sur ce petit circuit. La DRS, on la mettra dans la prochaine grotte. Allez, on y va, on fonce, pardon. Non, on est bien placé les gens. Regardez-moi ça. Ce beau petit circuit là. Enfin, bien géré. On sort un petit peu, ça c'est pas grand chose. On reprend. Alors, objectif, attends. J'ai fait un peu de patiner d'avant avec le cœur hier, enfin le cul de la voiture. J'ai fait un petit peu partir sur le côté, mais très légèrement j'ai senti le vibrant de la manette. J'accélère, c'est pas pour rien. Alors, on va en stand. La ligne de vitesse. On est plutôt pas mal, franchement. On est plutôt bueno. Allez, il nous manque plus que voilà. Tout est ok. Les charpenteurs. Voilà. Alors, l'information. Reconnaissance du circuit. Allez, let's go. On va sur la piste.
Là, on va essayer de battre notre petit adversaire. DRS est parti. Personne n'a rien, bizarre. Allez. Passer le Vettel, il est loin derrière. Enfin, en tout cas, on a vite fait jeter un coup d'œil. Vettel est le premier. Vettel est le premier, moi je suis cinquième. Ou quoique je suis troisième, pas cinquième. Généralement, c'est là où je risque de me planter le plus souvent. Ah, je suis désolé. Merde. Je vois les yeux. Tu tentes, moi je vais, après j'essaie de tenter d'accélérer vite.
Bon, là je pense que c'est bon. Retourne au garage. Hop. Je vais vous demander votre petite seconde d'attente. Il m'a dit les pneus tendres. Ok. Sprint. On va pas annuler. Vite fait. Non. Attention à tout le personnel, la monoplace part. Désolé. Je ne conduis pas avant la sortie. Hop, parce que je vais monter les kilomètres pour mes vrais. Allez, let's go. Il y avait tout ça. Pas une course, mais quand même. Moi, je sais que je me bloque sur ce virage là et sur celui là. C'est chiant. C'est parce que je suis trop vite.
peut-être parce que je vais revenir. Je suis 16e sans déconner. Pour une fois, partie, je suis 16e. Là, je suis en train de perdre du temps. C'est plutôt bon. Là, je suis en train de me rattraper. Enfin, je réussis à mieux les prendre. Remarque de légers dégâts sur les longs avant. Ne prends pas de risques jusqu'à ce qu'on le répare. Il ne faut pas que ça empire. La vidéo a été faite vendredi soir. J'ai mis du temps à me préparer, à me préparer pour faire le premier épisode sur ma chaîne YouTube. Il faut que j'aille absolument faire. Mettre la lumière en l'envoi mélange de carburant.
Je la mets en place. Bonne guerre. Ça c'est cool. Normalement, il doit nous rester quelques minutes. Je dirais 6 minutes. Génial, je dirais 6 minutes. Tout est ok, tranquille. On a pris du temps à réparer la voiture. Piste encombrée. Dégagée. Ok. Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Hamilton, Vettel et Kimi Räikkönen. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essai libre. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Je suis 19e, les gens. Et c'est libre de. Donc, on va faire ce petit essai libre de ensemble. Bah, je vais vous laisser la cinématique. Ah, tu as bien reçu mon message. Parfait. Bienvenue dans notre second foyer. Alors, l'usine nous envoie beaucoup plus de données en temps réel qu'avant. Elles sont toutes accessibles ici. Du coup, je passe plus de temps à consulter les rapports qu'à te débusquer au fin fond de ta chambre d'hôtel. À ce propos... Oh, excuse-moi. Attends une seconde. Oui, ici Chris. Je suis occupé, là. C'est important? D'accord. Je vois. C'est pas vraiment normal, tout ça. Alors, il faut que tu demandes à Sarah de redémarrer la simulation. Ok. Excuse-moi. Comme je te le disais, on t'a installé un bureau, ici. Tu as accès au réseau depuis ton ordinateur, donc essaye de consulter régulièrement l'écran R&D. Histoire qu'on sache comment tu souhaites utiliser les données du week-end et celles des programmes d'entraînement. Donc, comme tu as pu le voir, les nouvelles qui nous viennent de l'usine ne sont pas toujours bonnes. Alors, quand un test échoue, parfois, on est contraint d'attribuer des ressources supplémentaires pour résoudre le problème. C'est la vie, comme on dit. Eh oui, c'est la vie. Donc, présentation des points de ressources. Tiens. Je vous laisse lire. Hop, allez, let's go. Donc, on a combien? 16. Oh, 2541 points. Impeccable. Alors. Amélioration. On doit améliorer quoi? Fond. Ouais, bon, on va améliorer ça en tant qu'affaire. Développer. Contrôle. Qualité de châssis. One. Rendement. Usine de châssis 2. Le châssis 2, pardon. Et alors, on va mettre un petit truc en plus. Le système d'allumage. On va mettre le système d'allumage. Et ça, c'est quoi? Contrôle qualité du GMP Haute Performance. Il va lire. Ah, c'est fun. Voilà. Donc,
Mon ordinateur portable. Allez, allez, c'est libre. Let's go. Let's go, let's go pour l'épisode 1. Pour l'épisode 2. On fera le grand prix. Hop. Alors, on a la piste. On va prendre un coup de l'avant. Et je suis passé. C'est normal, c'est le jeu. Mais c'est libre. On a plus de place en plus. Ça sera bon. J'accélère, taquet, et puis je passe le premier virage, attention, je passe le deuxième virage, taquet, comme je freine, pour éviter de me vitrer. La reprise. Super bien, la reprise 4ème. Oh oh. Je suis remonté. Toujours ralentir ou sinon un bel accident. Alors on accélère au taquet comme d'hab. Ça fait de
désolé pour hier, les amis. Je vais vous faire un live sur le Bonus Echo. Enfin, le Bonus Echo, pardon. Pourquoi j'ai le Bonus Echo, je sais pas. Je sais pas. Je vais vous faire un live sur le Bonus Echo. Et je vais vous passer. Et je le ferai demain. De ma soeur. Parle de ma soeur. C'est la petite. C'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Merci. En fait, je regarde à gauche, ça, je vais la position. Donc c'est pour ça qu'en même temps, je suis concentré. Allez, oui. Les chronos s'effondrent, il faut que tu rentres au stand pour réparer, rentre au stand. Ah bon, c'est vrai. Elle est beaucoup plus raide. Et aussi beaucoup plus raide après nous. Il ne reste que trop de carburant, donc on va pas tenir. Ça tombe super bien. Bon, combien on va finir? Je pense qu'on va finir en bas de la piste, dernier quoi. Allez. Les réparations de la voiture nous ont un peu retardé. Alors, combien... Combien nos amis? Vettel, je suis deuxième. Ah non, je suis pas deuxième. Je suis 20e. Ah ouais, carrément quoi. Participants ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3, Vettel, Bottas et Max Verstappen. C'est ainsi que se termine. Mince. J'ai fait une bafouille. J'ai fait une bafouille, les amis. Poursuivre la carrière. Une grosse.
Une grosse cochon. Alors, alors. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Voilà, alors. Ok. Ok, 264, c'est normal. Tout à fait normal. Ordinateur. De bord. Et c'est libre. Allez, allez, c'est libre 3. D'accord. On va continuer. Au bloc. Bloc propulseur moteur à combustion interne. Unité moteur générateur cinétique thermique. Système de stockage turbocompresseur. Électronique de commande. Allez. Hop. Alors, petite information. Avance rapide. Tiers d'élite, premier. Je sais exprès. Je vais finir dernier, les gars. Ah ben 20e, net. On se demande pourquoi. On se demande vraiment pourquoi je suis 20e. Nous avons assisté à une séance intéressante. Les trois meilleurs chronos sont les suivants. Hop. Australia. Va falloir dans le montage, si je peux enlever le temps de chargement, ça ferait plaisir. Le patron m'a fait lire la rubrique People ce matin. On dirait que tout le monde en a après votre nouveau rival. Voici les détails. Alors le face contre face, c'est bien ce que je m'attendais. Écoutez les coups de vocal. Les objectifs de qualification ont été évoqués à la réunion de ce matin. Je vous les résume. Oh. Ou mieux. Ok. Objectif de qualification. 11e. Ou mieux. Continuez. Bon ben voilà les gens. Ça sera pour le deuxième épisode. La qualification. Donc n'hésitez pas à commenter, liker surtout et partager. La chaîne YouTube sur ce, peace et à bientôt.